Et salut tout le monde, salut YouTube, la VOD, on va poursuivre notre partie sur Ori and the Blind Forest. On avait bien avancé la dernière fois, malgré quelques phases un peu fastidieuses, et on avait maintenant besoin d'accéder au troisième donjon. C'est parti. On doit monter et on doit accéder à la zone à l'est, là-bas, je pense. Alors, on va falloir se remettre les contrôles en tête. Ouais, c'est ça. J'arrête de relâcher cette gâchette. Bon, ça va demander un petit peu d'apprentissage à nouveau parce que je confonds un petit peu les gâchettes. C'est un petit peu chiant. Alors, déjà que c'était un peu la misère au début. Ok, donc la full life. Ça c'est du passage à prendre, ça regarde. Et on a un passage vers les deux. Avec des lasers de la mort. Ok. Alors on peut passer là. On est passé par là, non? Oui, on est déjà passé par là. C'est un tas à raccourcis. Go. On va essayer d'aller plus haut. Allez, plus haut. Pensez à sauvegarder. Alors, pour l'instant, tout y va bene. C'est chaud, lui. Un point de compétence, c'est très bien. Et on approche du donjon suivant, le col du chagrin. Je comprends pourquoi Kuro est né de cet endroit. La bière solaire aime encore la lumière qu'elle craint tant. Je vais vérifier, j'avais peur d'oublier de changer de scène, j'aurais eu l'air con. Le caillou vient de faire caca. J'ai trouvé la pierre solaire. Cette rune légendaire permet de pénétrer dans le mont Oru. Bah, et puis qu'à aller au mont Oru. Yaka. Oh, y'a Gumo qui réussit notre copain. Oh, il était mort, mais ça va mieux. La bière solaire nous permettra de franchir les portes du mont Uru.
Mais sens-tu ces secousses, les grondements de la terre? Le mot roux s'apprête à cracher ses flammes, nous devons faire vite. Oh, c'est loin. Oh, c'est loin. Ok, c'était un endroit où on voulait aller la dernière fois, mais on ne pouvait pas accéder. Oh, il y a tellement de passages qu'on n'a pas encore fait. Là c'est bon, on avait exploré. Là c'était mal, on va devoir accéder là-bas. Là et dans cette zone-là. Si on redescend par le. On va vérifier qu'il y a rien à droite. Ça pue l'arnaque. Ouh! Voilà qui était inattendu. On est l'allié de la nature, mais la nature nous en fait un peu. Alors, on va continuer de descendre, c'est très bien. Et on arrive pas encore au palier qui nous intéresse. C'est là que ça devient intéressant. On va aussi se faire foudroyer, donc on va éviter. On a là-bas une grande zone, on a une pierre de carte. Ici. On n'a pas de fragments. On a des cordaïques. Ok. Ouais, super. Ça nous apporte pas grand chose.
C'est pas grand chose d'intéressant ça. On peut très bien le voir par le côté, j'espère qu'il y a des trucs en bas à récupérer, sinon ça n'a strictement aucun intérêt pour notre avancée. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Voilà, des ennuis, globalement. On va aller voir plutôt ce qui se passe du côté gauche. Là-bas en bas à gauche, on va essayer d'y accéder. Je pensais qu'il sauterait plus haut. Alors on va essayer de rejoindre un téléporteur si possible. Ouais, c'est loin, c'est très loin. Bon, ah si, on redescend dans la bas à droite. J'ai pas eu le temps d'armer le stomp.
Aïe. Son recovery était plus rapide que l'armement de mon attaque. C'est embêtant. Si on descend, on se laisse tomber en faisant attention au clic. On doit pouvoir rejoindre un point de téléportation. Décidément, on va se prendre tout ce qui traîne dans la zone. Ça va garder et on va se téléporter en direction du boss qui creux, ça a l'air pas mal. Hop. Ok, ouais, on aurait quand même pu aller carrément là-bas. On va aller là-bas. Au champ d'Oru. Ok, on n'a plus qu'à aller vers l'ouest et on devrait pouvoir se tirer. Ça aurait été mieux si ça venait directement ici, mais bon. Ok, lui il est chiant. Zone volcanique de l'emploi. Ce qu'on peut faire pour accéder là-haut. Est-ce que c'est une mauvaise idée? Non. Ok, ça nous permet d'accéder à cette zone, on va pouvoir récupérer les choses, j'espère. Ok, l'eau est toxique. Oui, on sait. Crac-crac qui balance des trucs. Très bien. Thank you.
qu'on peut récupérer avec tout ça? La flamme corbisante, l'éclat de lumière ultra. C'est pas terrible. Le bonus d'énergie récupéré ou 350% d'énergie en plus, ouais. Si on a bien de vitalité. Ça serait bien, mais on n'est encore pas. On n'est pas près de l'avoir. On se prend le code de puissance supérieure. La source de chaleur de Nibel, toute sa gloire est partie ensemble. Restons sur nos gardes, nombreux sont ceux qui ont pénétré dans cet endroit pour ne jamais en ressortir. Mouru. Hum. L'élément de la chaleur est proche, mais la montagne, je ne l'ai jamais vue ainsi. Nous avons parcouru tout ce chemin, nous avons tant perdu. Tu ne peux pas abandonner si près du but, il faut continuer. Qu'est-ce qu'on a? On a un portail de sauvegarde en bas, c'est pas mal. Juste un peu séparé par un lac de lave et par des pierres qui font chaud aux papates. Ok. Donc ça fait chaud aux papates, mais que au bout de certains temps. La précision d'un homme. Ok. Jusqu'ici, tout va à peu près bien. Thank you.
La suite peut être à gauche, évidemment. Préparer à sauter. Allez, hop. C'était chaud. Dommage. Cette droite, c'est pas pour les plancher ce temps là. Donc nous devons faire que les productiles tuent les espèces de sphères. C'est bien en ordre dans la mesure où on a besoin de ces espèces de sphères. On n'est pas allé voir parce qu'il y avait un truc de la fouille. Un peu de patience. Devant le...
Ah! On est déjà mort bien plus de fois sur des passages beaucoup moins durs. Hein. Il y en a plus de quoi sauvegarder, évidemment. La bonne vanne. Je pense qu'il n'y a rien par là. Non. Minimiserai la chute, hein. Ori, ces rochers semblent instables. Grâce à ma lumière, nous pourrons peut-être nous en servir pour empêcher la lave de se répandre.
puissante, Céline. Ouais, donc on bouche une arrivée de la... Oh bien, un bouchon dans le Toyo. Ouais, évidemment, il faut qu'on se tape le retour, elle n'a toujours pas de quoi sauvegarder. Tout va bien. Moi j'étais pas du tout paniqué. Ouais, c'était vraiment plus simple dans ce sens-là. Hein. Ce sera encore plus simple si j'ai vu tout de suite qu'il y avait un truc au-dessus. Ok, rien là-bas. On va essayer de rejoindre ce qu'il y avait à gauche. C'était la mauvaise idée du... Oh non! Ta cohérence des points de sortie, je pense. Mais bon, c'est pas grave, hein. On est là aussi pour se faire. Plateforme flottante chelou. Ok, donc on va passer par en dessous, utiliser les lumières pour essayer de remonter. Et il y a de la lave à gauche. Ça va bien. C'est mieux que passer que je ne laisse compter. Ok, je vais faire ça. Bah non, pas ça. Petit peu con le monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah non. Ah non, mais... Un petit peu en retard sur le saut, ça va nous a pénalisé pour la suite. L'idée est là, le timing pas encore.
Ouais, d'accord. Si on est suffisamment tôt, on doit pouvoir rester à gauche du rayon et éviter de se faire griller la tronche. Hein. De planer suffisamment longtemps sans se prendre les pics. Ni en sautant dans l'air. Vous allez vers la droite. C'est parce que... T'es pas passé là. Ça va être reparti pour une séance de rebond.
quasiment pour passer sans faute. Je me dis quasiment. Et... on progresse, on progresse. Laser de la mort, on a des espèces de pipiques, on a une grosse limace dégueu. Passage au rondement de loup. Sauf qu'on peut pas changer un saut sur le truc. Alors, on a les passages à droite et à gauche qui sont ouverts, je pense. Désolé pour son indécision. Alors, à quelle sauce on va être mangé cette fois-ci? Un don pour retomber sur les... Ça doit faire très 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 mal, ça. C'est vrai qu'on peut interrompre notre super saut grâce à la feuille. Relâcher le bouton de droite, ça fait retomber. On est à un peu plus de 50 minutes de GOD. Bon. On va essayer de finir en mode tournoi. Ça ne suffira pas.
c'est un peu de précision quand même. On va de l'autre côté. J'ai cru que j'allais encore finir comme un con. Il y a des jours où je me déçois. Je me déçois. Regardez, ça va être ridicule. Ok. Je vais mourir un nombre incalculable de fois sur ce pic, je le sens. Allez bien. C'est typique qui dépasse juste pour les joueurs comme moi qui ont aucune patience. Sauvegarde ou pas. Ouais, on va tenter de descendre. Ah oui, d'accord, c'est un sol. Ouais, donc on doit avoir besoin. Ce mini donjon aurait été pénible. Intéressant, mais pénible. Ce qu'il faut pour le faire péter. Euh...
pas un moyen plus court de rentrer? Non. On va crever, je sais pas combien de fois qu'on se truc, je te sens venir. Allez, on va faire une pause parce que là, je commence à avoir chaud rien qu'à regarder l'écran et je parle pas seulement des 40 degrés qu'il fait chez moi. Du coup, YouTube à la prochaine fois. N'hésite pas à suivre, à continuer, à commenter, à laisser des pouces, des commentaires, enfin tu connais le truc quoi. Et puis, à la prochaine. Salut!